Écoutez, on espère. Le judaïsme nous invite à croire en Dieu et à espérer en l'homme. Et la situation en Israël est dramatique et difficile. Et on sait que Jérusalem, selon nos textes, est le cœur de l'humanité, le cœur du monde. Et lorsque Jérusalem ne va pas bien, c'est l'ensemble de l'humanité qui se porte mal. Et donc, bien évidemment, on prie, nous prions. J'ai appelé l'ensemble de mes coreligionnaires à redoubler d'efforts pour prier Dieu pour que la paix puisse retrouver sa place sur cette ville sainte. Jérusalem, c'est Ir Shalom, hein, c'est les mêmes lettres que la ville de la paix, et il faut apprendre à vivre avec celles et ceux qui pensent et agissent différemment. À condition qu'ils acceptent que les Juifs vivent aussi à Jérusalem et puissent revendiquer Jérusalem comme leur capitale. Alors,